J'ai découvert par le mouvement eucharistique des jeunes, mais justement un regard de Dieu qui me disait qu'il m'aimait comme j'étais, et que quelles que soient, on va dire, mes difficultés, mais aussi mes moments un peu de joie, il était là, quoi. Et se sentir aimé, quelle que soit, on va dire, quelle que soit ma période de vie, pour moi, ça m'a beaucoup apporté, quoi. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Mais je crois que je l'ai aussi rencontré dans l'amitié avec les autres, quoi. Quand j'étais en stage à Albi, en restauration, où c'était très difficile, j'étais aussi aidée par des amis au foyer de jeunes travailleurs, par des rencontres d'autres jeunes en galère, des partages, des échanges. Et ça m'a beaucoup apporté de joie aussi. Enfin, pour moi, Dieu est un peu indissociable des autres, quoi. Voici Mong Nang Win Hong. Il a 8 ans, il est birman et il est venu s'installer ici avec sa famille il y a un peu plus de 6 mois. Ils vivent dans une chambre insalubre, dans un appartement communautaire de la zone portuaire de Phuket, dans le sud de la Thaïlande. Chaque matin, Mong Nang Win Hong et son petit frère Mong Wai Yun Tet, 4 ans, se lèvent à 6 heures et se préparent pour partir à l'école. Mong Nang Win Hong et Mong Wai Yun Tet ont un grand frère de 13 ans, Mong Kyung Nang Wain. Il travaille sur un bateau de pêche. Il est chargé de plonger à l'eau lorsque le filet du bateau se prend dans des morceaux de plastique. C'est un travail très dur. Et Mong Kyung Nang Wain aimerait lui aussi aller à l'école comme ses petits frères. Mais sa famille a besoin de lui. Elle doit 70 000 bahts, près de 1 800 euros, à ses créanciers, des gens peu scrupuleux qui leur ont promis la lune s'ils venaient en Thaïlande. En tant qu'immigré clandestin, Mong Nang Win Hong et son petit frère Mong Wai Yun Tet n'ont pas le droit de se rendre à l'école Thaï. C'est pourquoi ils prennent tous les matins le chemin de l'école informelle montée par Sister Lakana, une religieuse thaïlandaise de la communauté du Bon Pasteur, très impliquée dans l'aide auprès des immigrés birmans en Thaïlande et soutenue par enfants du Mekong. Ouais, ça c'est la bonne question. Il est mort à 33 ans. Et pourquoi je sais pas. Parce que Ponce Pilate l'a fait arrêter par les Romains. Parce qu'il dérangeait l'ordre public. Que Jésus a été victime de la population. Population de Jérusalem et du mensonge. Le destin l'a frappé. Pourquoi Jésus est-il mort? Je suis pas très. Parce qu'il a bousculé beaucoup de choses et ça dérangeait énormément de monde. Il était trop sûr de lui et je sais pas. Ouais. Il s'est mis tout mon ado. D'un excès de révolte. Pour le bien des autres peut-être, c'était. Un sacrifice pour les autres. Pour sauver l'humanité. Moi j'en sais rien. Ouais, il est mort pour nous quoi, pour nos péchés. Pour nous pardonner tout ce qu'on fait maintenant. Ouais. Peut-être l'incompréhension des autres face à la nouveauté qu'il apportait. Parce qu'il n'avait pas cette idée. Il faudrait déjà qu'il ait existé. Alors pourquoi il est mort? Parce qu'il le méritait sûrement, le pauvre. Jésus est mort sur la croix par compassion pour les fautes et les péchés que commettaient les chrétiens. Non, j'allais dire une grosse connerie, mais... Jésus, personne qui a été victime aussi de la population, parce qu'il ne croyait pas, il pensait que c'était un menteur, et que c'était le vrai roi, et qu'ils l'ont tué. Parce que c'était un anarchiste.
Et ça collait pas avec le tableau de l'époque?